c'est Youyou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour mettre mon Larry 35. Alors hop, je vais directement pas mettre prêt parce que sinon mes mates ils vont m'attendre, etc. Ils vont me crier dessus. Je vais vous parler pendant qu'on est dans le matchmaking. Aujourd'hui on va aller push Larry 35. On va aller directement le push en braquage. Je préfère aller en braquage et en plus ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. En plus il a un petit star power qui va lui permettre de faire beaucoup plus de dégâts parce qu'il va recharger tellement plus rapidement à chaque fois que son bot il attaque. Si son bot il attaque, il touche le coffre, bah toi aussi tu peux attaquer, tu recharges plus rapidement, etc. Enfin c'est beaucoup littéralement trop fort. Mais d'avant qu'on commence la vidéo, on va faire la petite dédicace du jour. Venant de la part de user Mi3RD. Vas-y, j'ai trop la flemme de dire le reste, mais j'ai liké, je me suis abonné pour que tu puisses acheter des pâtes. Merci à toi, mon gars, pour le soutien, ça fait plaisir. Voilà, je vous fais des petits cœurs comme ça. Mais ouais, on va essayer de rentrer le brawler qu'on a acheté à 18 €. 18 € pour un brawler épique. J'ai envie de pleurer. Mais bon, au moins on va le mettre en 35 et au moins on rentre le gâteau, on va dire. Et en parlant de rang 35, la game commence. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Alors déjà, en face, il y a un Dynamite, Colt et Edgar. Ça, déjà, ça on a gagné. Parce que déjà, le Dynamite, il va pas pouvoir faire mon feu. Déjà, surtout que moi, je suis un Larry. Le plus embêtant, déjà, c'est avec le Edgar. Parce que le Edgar, c'est plus pour... s'il me saute dessus, si je suis finito. Mais on aura X-Rad qui va toujours être là pour m'aider. Là, le Edgar, il est côté droit. Voilà, X-Rad. Ah ok, bon moi je me suis fait hagan. Bon c'est pas très grave, au moins le Edgar il est mort. Un kill partout, ça c'est le plus important, au moins qu'il y ait un kill partout. Alors hop, déjà hop, moi je vais mettre plus de pression comme ça. Lui il va encore me sauter dessus, voilà, il est mort, bien joué encore X-Rad. Attends, j'arrive X-Rad. Oui, il est pas mort. L'important c'est que personne ne meurt. Hop, voilà, nickel, oh nickel, moi j'ai mon super, et là regardez, et là maintenant, dès que là on a notre super, là maintenant, hop, petit gadget pour régénérer aussi, voilà, regardez, regardez, on haga le coffre, j'ai recharge illimitée, vous avez vu, j'ai recharge illimitée, on a haga le coffre en 10-15 secondes je crois, au moment où on a commencé à l'attaquer, Youyou joueur star, enfin c'est littéralement du fast bourring, c'est beaucoup trop fort. Donc voilà, si vous voulez copier la compo, n'hésitez pas, je vous remets une image de le star power gadget qu'il faut prendre dans cette map de braquage, enfin du moins juste en braquage tout court. En vrai c'est très très bien aussi. Et d'ailleurs les gars, vous êtes 77% à ne pas être abonnés. Les abonnés, vous êtes où? Vous êtes où? Et comment ça 77,8%? C'est pas possible. On peut voir par exemple qu'il y a exemple 80% de mecs qui me suivent et 19% de femmes. Je suis même pas sûr qu'il y a des femmes qui me suivent, c'est impossible. Les joueurs Brawl Stars c'est que des mecs, c'est que des bonhommes. Nous on est que des bonhommes pour jouer à Brawl Stars. Enfin bref les gars, je voulais aussi vous dire que là il y a une FAQ qui arrive très bientôt. J'ai fait un petit post communautaire ou de toute façon, ou alors il y a même mon serveur Discord si jamais ça vous dit. On a créé un salon où là-dedans vous posez toutes les questions que vous voulez et j'y répondrai dans ma vidéo pour les 100 000. Et je déballerai aussi mon trophée, j'ai toujours pas déballé hein. Et les gars, j'ai toujours pas déballé mon trophée depuis que je l'ai reçu hein. Ok, la game commence. J'ai pas vu il y avait qui. Ok, il y a un petit Colt. En vrai, le Colt, je le haga rapidement. Regardez, hop, voilà. Là, il manque un coup pour que le Colt, il soit... Là, le Colt, il est one shot. Ok, non, il faut pas que le... Oh non, le Colt, il est mort. Un autre Colt, du moins. Ok, nickel, bien joué X-Rad. Moi, j'ai un peu mal joué aussi. Ok, on va mettre le petit super. Hop, petit gadget. Nickel. Vas-y, attaque, mon bot. Ok, c'est pas très grave. Ok, nickel. Oh, je gère, je gère, je gère, je gère. Je gère, vas-y, recharge illimitée, petit gadget, hop, voilà, hop, parce que là, Elisa s'y attend pas, et voilà, en vrai, là, on a fait quand même pas mal de pourcents, là, je crois, on a fait 80% nous tout seul, en environ 10 secondes, voire 15, beaucoup trop fort, les gars, je vous l'ai dit, c'est beaucoup trop fort, voilà, le code qui va terminer le coffre, Riffel, ou Riffle, je sais pas comment on dit ça, Youyou joueur star, vu que c'est moi qui fais tous les pourcentages du coffre, et voilà, enfin, c'est assez simple, en vrai, on a, heureusement qu'il y a des win streaks hein, pour nous carry, hein. Enfin, les win-streaks c'est beaucoup trop fort. Regardez juste sur le journal de combat. Victoire, 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 victoire. On a fait une défaite. Mais sinon juste avant la défaite, regardez, que de la victoire. Que de la victoire. On a vaincu des outsiders, vraiment. Que de du full win. Genre on a commencé il y a à peu près 1h11, regardez. Et que du full win, littéralement avec une seule petite défaite. Donc c'est à dire je vais rentrer 35. C'est à dire ouais je vais rentrer 35 en ayant fait que 2 défaites en vrai. C'est pas mal. Vous en pensez quoi? C'est parti, on part directement pour une nouvelle game. Petit Edgar, une Elisa et un Colt. Oh d'ailleurs moi je vais pas tarder, je pense à passer hors 1 je pense sur mon Larry. Non quoique je pense pas que je vais passer hors 1 parce qu'en fait on monte beaucoup trop vite. Du coup on n'a pas le temps de faire des défaites et du coup de remonter etc et tout et tout. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il me faut juste mon super parce que là ils sont en train de se barrer. Ils savent très bien que la chose à ne pas faire à un Larry c'est de lui faire cycler son super. Là je sais qu'il y a un Edgar qui va pas tarder à me sauter dessus. Voilà, c'était évident, j'ai voulu le brain. Oh dommage, au moins j'ai tué la Elisa. Ok nickel, moi j'ai mon super, ça c'est très très bien. Là maintenant bah j'ai plus qu'à haga le coffre. Par contre on a notre cher mate là qui est en train de haga le coffre lui aussi. Voilà, hop 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 hop. Moi petit gadget, ok, dommage, au moins j'ai tué le Edgar. Mais on a fait pas mal de pourcentage, il y a 7 viewers, c'est une dinguerie qu'il y ait autant de viewers. Je sais pas si c'est les abonnés de mon club, je pense pas. Ou alors ça doit être des gens chauds en face. Hop, nickel. Hop, j'ai rechargé limité. Vas-y, attaque le coffre. Voilà, nickel, c'est carré. Voilà, tranquille, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Non, c'est bon, j'arrive. Et bien évidemment, X-Rad, t'en fais pas. Hein, on va t'aider aussi. Je vais aussi t'aider à mettre en ta petite Elisa en 35 quand même. Moi, je suis pas capable. Quand même pas. Quand même pas. Je vais juste couper la vidéo et je me casse direct. Ok, c'est parti. Cette fois-ci, on est face à un boule machin. Là, par contre, il y a un Larry et Laurie. Hop, hop, hop. J'essaie de pré-shot où est-ce qu'il va. Le but, c'est de surtout pas aller sur le site de Larry et Laurie. Parce que sinon, je vais lui faire charger son super. Et c'est absolument pas l'objectif. Si je lui fais charger son super, j'ai perdu. Ok, nickel. J'ai vaincu le boule. Hop, il part où mon bot? Ah ouais, mon bot il est parti au futur. Je vais essayer un peu de régène. Et ensuite, voilà, dès que j'ai mon super. Non, non, dommage, je voulais gadget. Bon, tant pis. Ok, nice, ça a tué Larry. Mais enfin, c'est des bots ou quoi? C'est spécial. Oh là, on a... je suis là, X-Rad. Je meurs pas. Voilà, hop, on inverse les rôles. Hop, je savais qu'il allait... C'était obligé. Ah le bot! Ok, nickel, bon on a fait 4000 dégâts environ sur le coffre. Il reste plus que 7%. On va faire des gros tout droits de bourrin. Vas-y. Nickel. Nickel, bien joué. Mais c'est magnifique. Mais oh, merci pour le like. Mais nous nous trouvons ce... En attendant, moi j'ai des petits spaghettis. Voilà. Les spaghettis avec un peu de sauce tomate. Mmh. Oh le banger, le banger. Oh. Oh, moi qui avais rien mangé hier. Mmh. 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 Le poulet. Le poulet. En parlant de poulet, je me demande ça fait combien de temps j'ai pas mangé de poulet. En ça, de chez ça. La dernière fois que j'ai mangé du poulet, ça doit faire des mois. Je dirais pas des années, mais peut-être une année, peut-être un peu plus. Je sais pas en vrai dire, en vrai je sais plus du tout. Mais en tout cas, oh, on a une nouvelle game. Oh, Edgar qui va être bien relou. Le problème c'est que je sais pas du tout où est-ce qu'est Edgar. Je pense que Edgar il va être côté droit, du coup j'ai envie de tenter d'aller côté gauche. C'est obligé les côtés droits. C'est obligé. Voilà, je le savais. Vas-y, je suis là pour t'aider. Hop, le Edgar il est mort. Si le Edgar est mort, c'est que moi je peux full attaquer le coffre et c'est bandit. Playmobil. On a. Ah, voilà les histoires! Y'a plus d'histoire là! Y'a plus de est-ce que c'est bon pour vous? Ah, d'ailleurs les gars, je sais pas si vous voyez, mais dans une de mes vidéos, j'ai sorti une ref. Y'a quelqu'un qui a réussi à trouver la ref dans laquelle je parlais. Non, vraiment. Vraiment, il était chaud. Hein. Franchement, il était chaud. Je me devais de lui offrir un truc. En plus, j'avais dit que j'offrais peut-être un Brawl Pass ou un truc du genre. J'ai offert un petit skin. Voilà, parce que je me suis dit... En vrai, faut faire plaisir aux abonnés. Surtout aux abonnés fidèles. Lui, je sais que c'était un abonné fidèle. Je voyais souvent qu'il regardait mes vidéos, etc. et tout et tout. Donc en soi, moi, ça me fait bien sûr que ça me fait plaisir de régaler des abonnés, franchement. Du coup, peut-être j'organiserai parfois des petits trucs comme ça dans mes vidéos. Des fois, peut-être je dirais une ref. Vu que je suis un mec hyper aléatoire, des fois je vais sortir une ref et je dis que celui qui arrive à trouver la ref, bah, il gagnera peut-être un truc. Je vous dis pas quoi, mais voilà, peut-être gagner un truc. Des bonnes pâtes. Le poulet. Oh là 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 là. Elisa, Bull. Le nouveau perso, on va éviter le nouveau perso à tout prix, mais Elisa Bull on les haga sur leur side. Ok, bon bah tant pis, il est sur mon side, j'ai pas le choix. On va essayer de le tenir un peu à long range. Mais en vrai on gagne cette game, hein. Cette game là on la gagne. Voilà, hop, hop, toi tu meurs. On peut laisser Larry et Laurie sur le coffre, j'espère juste qu'il a pas de super. Ah mince, j'ai mis peut-être un peu gadget un peu trop tôt, mais bon c'est pas grave. Tu peux me laisser boule là? Ah, mais le boule, lâche-moi un peu là. Lâche ma grappe. Voilà, nickel, bien joué. GG's, well played. Thumbs up. Voilà, voilà. Big burger. C'est pas. Pensez à mettre le code Youyou pour que je mette plus de sauce sur mes pâtes. Game trouvé. Double Colt, Edgar, on les hagard. Je vous annonce, on les hagard. Malheureusement, les miskines à eux, hein, je les plains carrément. Mais bon, comment ça se fait, il y a des doubles machins. Voilà. Oh, j'étais juste en train d'autoshoot, je regardais même plus mon écran. Eh, mais en vrai, je suis en train de me dire, imaginez au World, il y a un mec qui est en train d'éternuer. Comment il fait pour voir son écran? T'imagines, tu dois pas être malade ni rien. Bon, bah, dommage un peu. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Au réel, ça, on peut laisser passer. Et nous, on va terminer le coffre. Voilà la team, bien joué, good game well played. Thumbs up, même carrément, je devrais dire. Wow, celui qui a la rêve du good game well played. Je sais pas si il dit thumbs up, mais le premier qui trouve, il gagne un truc. Le premier qui trouve, il gagne un truc. Bon, on n'est plus qu'à une game durant 35. On lance directement la game parce qu'on est à 1245. Voilà. Il ne manque plus qu'une game. Plus qu'une game. Plus qu'une game. Plus qu'une game. Ouah, les gars, je devrais me lancer dans le beatbox et tout. Je suis gênant. Sur une échelle de 1 à 10, vous me classez 50. C'est le mec qui rigole tout seul. Ok. Game. Ah ouais, bien raciste la game durant 35-1. Oh là 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 là. Purée de pommes de terre. Oh, purée de pommes de terre. Je déteste affronter des Larry et Larry. Et surtout quand il y a un Edgar en face. Parce qu'en fait, du coup, ça me counter moi. Et moi, c'est trop relou. Genre là, ils ont une meilleure compo. Quand il y a un Edgar en face, il a la même compo que nous. Mais qu'il y a un Edgar en face, ils ont une meilleure compo. La compo, elle est faite exprès pour nous counter. Enfin, plutôt pour counter machin. Nickel, ok, il est mort de manière débile. L'autre il a gaspillé son super aussi de manière débile. Là, ce qu'ils savent, c'est qu'ils savent qu'ils doivent pas me laisser cycler mon super. Mais c'est trop tard, mais ça, ils l'ont pas vu. Oh, oh ah, 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 oui, oui, ok, ça c'est bien. Voilà, voilà, on fait tous les pourcents pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant. Et c'est carré, merci de m'avoir laissé passer sur le coffre. Merci à mes mates d'avoir bien géré la défense. Youyou joueur star avec 0 kill, 0 mort. Rang 35 fait, voilà, ça fait plaisir. On va aider du coup X-Rad du coup pour son petit rang 35. Bon les gars, on n'est plus qu'à une game du 1300. Notre Larry les gars. Ouais, 1300 en fait, on s'est dit vas-y on va pêcher un peu plus. On va 1300 pour notre Larry, Larry. On est totalement des zinzins. Oh les gars, ça fait 5 minutes je suis dans le MM. Oh. Eh bah dis donc, qu'est-ce que c'est long le matchmaking. J'ose pas imaginer Ira etc quand il push ou physique et tout hein. Wesh, même moi je trouve que le matchmaking il est long alors qu'on est à peine à 1300. Enfin pas encore 1300, enfin théoriquement, bien évidemment. Ok, la Tara va se faire hagar. En vrai j'ai juste, moi j'aimerais juste être face à la Tara. Mais face au Edgar et tout, j'aimerais tellement pas. Ok, c'était sûr, il a aim rush, nickel. Ça c'est défendu à la perfection. Ok, lui il essaie de me pré-shot, du coup il regarde pas Yaki au corps à corps de lui. Ça aussi c'est une bonne chose. Non, 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 non. Oh, c'est pour ça que je voulais affronter Tara. Parce que ces gadgets ils vont servir à rien. Et ça c'est masterclass. Alors, ouais, nickel. Oh, la défense de baiser. Oh, la défense de baiser. Oh là 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 là. Oh la game de 1300 de zinzin. Ok, ça a même pas duré un peu plus de 30 secondes. Voilà, Youyou joueur star, ça fait plaisir, magnifique. On passe le 1300 trophée du coup. Ça aussi, ça fait plaisir. Merci beaucoup Hidrat, merci Riffel, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aidera pour votre rang 35 à vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rentrer le code Youyou dans la boutique. Et moi je vous dis que c'était Youyou et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Salut salut.